contre l'arc est vachement efficace quoi. Aïe. Ouais mais hé, je suis pas à le frapper là les gars. Hein. Comment il fait encore pour viser alors que je le frappe? Oui je sais. Oh merde. Par contre j'ai l'impression de les frapper et que ça leur fait rien. Double kill. Mais allez, je le frappe et ils peuvent quand même m'attaquer quoi. C'est comme si mes frappes leur faisaient rien. Ça c'est un peu déconné quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression que mes frappes, que je les frappe ou pas, ça leur fait rien. Ça leur fait des dégâts, ça se voit, mais niveau impact, pas de balle. Frappe-moi tant que tu veux. Bon, on me dira c'était mort vivant mais... Attends, si j'ai pas mort contre lui, c'était bon quoi. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense pas que t'es le niveau mon ami. De leur faire aucun dégât quoi. Ça. Bon, j'ai pas l'impression de... Enfin, j'ai pas l'impression. Je vois pas où je gagne des XP. C'est un peu dommage. Vous croyez vraiment que c'est le moment d'éplucher des pommes de terre? Oui, je sais, je suis un couillu, mais ça me fera peut-être des XP, donc on va pas cracher sur un petit fantôme à tuer. Fini. Enfant d'épée, toi mon ami. Qu'est-ce qu'il y a par là? Du métal raffiné, je prends. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà, ça va pouvoir pour descendre. Ah non, je peux pas aller plus bas. Ok. Ah, en fait, ils sont là en bas. Bon, bah, je vais aller au point numéro 2. Salut, buffle. Buffle. I think I saw him over on the east side. You should find him and head over there. Thanks. I hope
be still in one piece. And you might want to check inside the invoking room. We just came across some specters. Those things can go straight through walls. They might get in there without asking you first. Is that so? Attends, je t'ai prévenu. Hein. Oh, un mort. Bonjour. Ah. Quand je suis avec deux dagues maintenant. Ah, ok, je peux. Ah. Ok, ok, ok. Wow. Je fais moins de dégâts, mais je suis plus rapide. Enfin, c'est logique, vous me direz. Ouais, j'aime bien ça. Donc, on peut vraiment passer d'un style à l'autre. Ah, là, je gagne des XP. Là, j'ai vu 20 XP gagner. Ah, voilà l'esquive, à mon avis. Je vais beaucoup plus jouer avec le rôdeur. Oula, ouais, j'espère qu'on pourra faire évoluer ça parce que là c'est vachement lent quoi. Ok, ok, avec L1 je peux passer de l'un à l'autre. Tic tic tic. Rester en mode rôdeur. On va aller discrètement. Bon, il ne m'a pas vu. L3. Splinter Cell, Sam Fisher. C'est tout? Je pensais que ça le tuerait, moi. Hop là. Ah, c'est toi que je veux d'abord. On va le looker, voilà, j'essaye de le looker, merci. Non, il va d'office esquiver en arrière, c'est aussi un peu idiot. Vas-y, attaque, de toute façon tu m'as manqué, et voilà, 50 XP, je suis niveau 2. Pas bien comment. Ah oui, ok, c'est qui s'est écrit en dessous en fait, comme le port salut. Pour l'équiper en fait, je voyais pas comment on voyait si c'était équipé ou pas. Bah, vu que je me sens mieux en rôdeur, on va faire en rôdeur. Hein. Alors, attaque rapide. Ah oui, non, c'est peut-être ici, je sais plus. Non, oui. Ici, c'est quoi? Assaut. Dans ce mode, vous êtes moins visible. Permettre de se déplacer plus vite, ce serait bien utile, mais peut-être pas maintenant. Vivacité, réflexe, oui, permet de changer de cible, dégâts, plus 10%. Ah, on va commencer déjà par ça. Ah, j'en ai un autre. Et l'autre, c'est quoi? Vitesse d'enchaînement des dagues, plus 15%. On va pas cracher dessus, hein. Tac, voilà. Et donc après, vitesse d'enchaînement, 30%. Donc ça, c'était pour les compétences. Ah oui, ok, comme ça. Ok, ok, ok. Et là, j'ai un point disponible. Pragmatique. Ah, je gagne plus d'XP, ça c'est intéressant. Mule. Oui, c'est pour la surcharge. Le reste n'est pas disponible. En combat,
Rien n'est disponible. Artisanat. Artisanat, j'avais quelque chose. Trappeur. Vous conseillez moins d'ingrédients, ça m'intéresse pas. Bah, on va prendre pragmatique. Hein. Voilà, plus 10% d'XP. Vous avez gagné un niveau, oui, c'est ce que je l'ai fait. Mais je viens de le faire. C'est bon, merci. Un équipement, on pouvait améliorer chaque pièce une fois. Ok. Hé, hey, j'ai de nouvelles armes. Attends, je vais me foutre là derrière, en mode furtif. Tac. Ingrédients, j'en ai de nouveaux. Si tu veux. Couperai ces médailles. Ah non, couperai ces nouvelles armes. Par contre, je suis plus puissant, mais... Ma vitesse d'enchaînement est réduite. Et là... Là par contre mordante c'est intéressant. Je vais équiper mordante. Améliorer. Ouais je peux. Dégâts physiques. Ah oui en fait les améliorations c'est avec... avec le stuff. Donc garde barbare, dégâts physiques. Bien ce système vous savez quoi? Ici spalière j'ai rien. Là, ah, je peux faire. Ça offre une excellente protection physique. Bon, on va faire ça. Tac. Bijoux. Trousse d'artilleur. Dégâts avec les pièges. Popopo. Bon, allez, hop. Ça mange pas de pain. Là, je peux rien faire. Tac, tac, tac. Non plus. Et pas de casque. Alors. J'espère qu'il va pas se retourner maintenant, ce sera un beau fail. Ah, je crois que là il y a un piège par contre. Faut faire gaffe. Ah, il revient, il revient, il revient. Bonjour monsieur. Oula. Caméra, je vois plus rien. Aïe. Hey, je vais, ouais, effectivement. Je me sens meilleur. Hop là. Aouh. J'aimerais bien me faire celui-là avec son bouclier. Merci. Allez. Mais allez, saloperie fantôme. Mais putain, pourquoi t'as pas visé celui-là? C'était quoi? Ah ouais, j'ai trois potions. Tac. Ah ouais ok ça me remet. Allez, celui avec son bouclier, s'il te plaît. Oh là là. Voilà, enfin, merci. Juste un échauffement, tu parles. Meurs pourriture communiste. Oui, juste de temps vivant, t'étais communiste, ça se voit. Arrête, c'est comme ça, hein. c'est pas un mal, hein. Si tu veux, il y a les non-communistes et il y a les communistes. Aïe!